Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau smartphone personnel. Alors ce smartphone là, vous allez peut-être le reconnaître sans que je dise le nom pour l'instant, c'est l'iPhone 8 Plus. Alors c'est un smartphone tout simplement très joli que j'ai acheté sur Back Market, beaucoup moins cher qu'un neuf. Alors c'est un smartphone certes cher, mais vous expliquer comment je l'ai eu, grâce à qui, voilà quoi. Alors déjà, pour commencer les amis, grâce au code créateur et aux pubs Utip que vous avez regardé, j'ai pu déjà financer à peu près mon smartphone. Alors je peux pas vous dire combien je l'ai acheté, voilà, mais bon, j'ai pu à peu près le financer. Donc c'est un iPhone 8 Plus, voilà. Alors déjà, ce qui est pas mal sur ce 8 Plus, ce qui est vraiment très sympa comparé à mon 6 Plus, c'est cette option, le Touch ID, très rapide, vraiment. Vous posez, il se déverrouille. Ça, c'est vraiment une option, mais... Enfin, sur mon 6 Plus que j'avais avant, il était déjà disponible, cette option. Mais là, elle est vraiment beaucoup plus rapide. Du coup, bah, c'est vachement mieux. Alors, au niveau de la caméra, on a beaucoup plus de mégapixels, en 4K 60 fps. Et en plus, nous avons un deuxième zoom. Comme ceci. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Hop, deuxième zoom optique. Donc là, vous avez... live photo, flash, etc. Donc là vous avez le mode portrait. Voilà, donc je vous offrirai peut-être une autre vidéo où je teste l'iPhone 8 Plus, etc. Alors pour protéger cet iPhone 8 Plus, les amis, j'ai pris une coque Rhino Shield. Ça y est, je suis passé. Donc autant prendre un smartphone haut de gamme, prenons la coque haut de gamme également. Voilà, donc c'est cette coque de protection. Donc c'est la Solid Suite. Je sais pas si ça dit, j'ai bien dit. Donc c'est pour iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, voilà. Et c'est la coque Rhino Shield. Donc voilà. Et elle tient super bien. Alors le petit truc que j'aime pas trop sur cette coque, c'est qu'en fait, on a vraiment du mal à l'enlever de la protection. Vraiment, on a vraiment beaucoup de mal. Enfin, j'ai eu du mal à l'enlever de la protection. Mais bon, je pense que c'est fait pour, mais voilà. Sinon, elle est très bien. Voilà, on sent que c'est de la qualité. Voilà, c'est au toucher, etc. de la coque, on sent que c'est de la bonne qualité. Également, la petite différence avec mon 6 Plus, c'est qu'il y a le 3D Touch, voilà, qui est disponible. Le 3D Touch qui est là. Alors, je sais pas si vous allez trop bien voir, parce qu'il y a un contre-jour avec la caméra, voilà. Donc là, il y a le 3D Touch. Il y a également, sur cet iPhone, donc j'ai pu télécharger Fortnite, parce que cet iPhone est récent. iMovie, la fameuse application qui manquait sur mon 6 Plus, qui permet de faire les montages à nouveau. PixArt, bah, c'est pour les miniatures, voilà, et tout le reste, bah, c'est mes applications quoi, personnelles. Donc, comme vous le savez, ah oui, d'ailleurs, j'ai pas vu, mais j'ai relié mes mails. Alors, voilà, mes réseaux sociaux, j'ai tout rangé. Et j'ai même pas eu besoin de tout télécharger, car j'ai fait le transfert des données depuis mon 6 Plus vers 8 Plus. Voilà, donc vraiment je suis très satisfait de ce smartphone qui a déjà un très bel appareil photo et un très beau dos, totalement en vert, donc recharge sans fil et compris. Donc pour le dessous les amis, donc on n'a plus de prise de jack, on a donc la prise Lightning et les deux haut-parleurs stéréo. Donc voilà, les haut-parleurs, je vous en ai pas parlé, il y en a un ici et deux là, voilà, donc c'est du stéréo. Également, là c'est une caméra 7 mégapixels qui peut filmer, je crois, en 4K 30 fps. Je suis plus sûr. N'hésitez pas, si vous êtes mieux connaisseur que moi, à me dire. Je sais plus exactement quoi elle filme devant, mais à l'arrière c'est de la 4K 60 fps. Ça c'est sûr. Voilà. Donc, au niveau du smartphone, bah, j'en suis très satisfait. Et en plus, les amis, alors petite chose, vu que je vais vous expliquer vite fait comment je l'avais commandé sur quoi. Bah, j'ai commencé sur Back Market, les amis, donc ça, je vous en ferai une vidéo où je vous présente la boîte, etc. Et franchement, c'est incroyable. L'état, ça me mettait état correct sur Back Market. Et bah, regardez, je vais vous montrer déjà un truc après, c'est le batterie, le pourcentage. Regardez, déjà, l'écran n'a rien. Enfin, là, on voit l'écran de protection, mais l'écran dessous, il n'a absolument rien. Voilà, donc il est neuf. Ensuite, les bords. Là, tout autour, les bords sont nickels. Il n'y a pas une seule rayure, les amis. Et pourtant, le téléphone était dit en état correct, alors qu'il est pourtant neuf. Voilà, il est comme neuf. Moi, j'ai rien à dire. Franchement, bravo au conditionneur. Alors, l'état de la batterie, là, vous voyez très bien, est à
97%. Donc c'est vraiment excellent. C'est mieux que mon 6 Plus parce que mon 6 Plus, la batterie quand je l'ai reçu était à 90%. Là, je l'ai perdu 4% de batterie en 2 ans, donc ça va. Mais voilà, là, elle a 97% la batterie. Donc c'est vraiment une très bonne autonomie. Les amis, voilà pourquoi je vous conseille fortement d'acheter sur Black Market. Donc si vous voyez encore cette vidéo, vous pourriez peut-être me sponsoriser un de ces jours parce que là, je pense que je suis bon client chez vous. D'ailleurs, les gars, je vais bientôt faire une autre vidéo sur Black Market, donc n'hésitez pas à rester actifs sur ma chaîne. Donc voilà, mon nouveau smartphone personnel, c'est celui-là. Donc dans les prochaines vidéos, si vous entendez une voix différente, de la qualité meilleure, ça sera grâce à cette optique photo qui filme en 4K 60 fps. Alors, YouTube n'a pas encore développé la 4K 60 fps sur YouTube. Voilà, donc je ne suis pas sûr de cette info, mais je crois qu'on est on est bloqué à la Full HD 60 fps, voilà, qui est déjà très bien. Mais quand YouTube pourra sortir la 4K, vous aurez la 4K disponible sur ma chaîne. Alors, vraiment, la qualité photo est juste très très bonne. La rapidité, elle est vraiment là. Voilà, le Touch ID très rapide. Et donc, vraiment, je valide totalement cet iPhone 8 Plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les gars, dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Voilà, quel smartphone personnel vous possédez. Voilà, n'hésitez pas, les amis. Peu importe que ce soit un Huawei, un iPhone, un Samsung, peu importe, n'hésitez pas, les amis, à me dire. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker en masse cette vidéo, les amis, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, les gars!